nos élèves, bonjour à tous. C'est moi, M. Adam Abou Dahab, le professeur de français à l'école Al-Waha internationale, à la section américaine, au coin de français. Maintenant, mes élèves et mes chers, on parle d'une chose très nouvelle. On parle de la syntaxe. Qu'est-ce que signifie le mot syntaxe? C'est la syntaxe, c'est la science qui te dit la morphologie, la proposition et la partie des phrases. À cette partie de langue, on doit analyser, on fait comme une analyse de la phrase. On partage, on divise la phrase en beaucoup de propositions. Donc, on dit par exemple, chaque phrase se compose de beaucoup de propositions. Chaque proposition se compose de beaucoup de mots. Chaque mot ou chaque groupe de mots, on l'a divisé à beaucoup de un petit mot ou de lexique ou de mots. Comme exemple, par exemple, on dit, commence par le numéro 1, on dit « Fais l'analyse syntaxique de ces phrases. » Numéro 1, chaque matin, je vais à l'école à 7 heures. Cette phrase, on doit la diviser à 3 parties comme ça. Chaque matin, Dieu, c'est comme un groupe nominal. Chaque matin, Dieu, groupe nominal. V, c'est le verbe. À l'école à 7 heures, c'est le complément. D'accord? C'est bon. Chaque matin, Dieu veut. Chaque matin, Dieu, c'est le groupe nominal. On doit la diviser par chaque adjectif. Matin, non. Dieu, sous Dieu. Sous Dieu est le pronom. V, verbe, verbe premier groupe. À l'école à 7 heures, complément. Ce complément se compose de deux choses. À l'école, adverbe de lieu. À l'école, adverbe de lieu. À, proposition. Et l'apostrophe, article défini. École, non, nom de lieu. À cette heure, c'est adverbe de temps. À cette heure, adverbe de temps, on dit à, proposition. Sept, nombre, adjectif numérique. Heure, non, nom d'une chose. Donc, mes élèves ont dit, à cet exemple, on doit partager, on doit diviser la phrase à 3 parties comme ça. Groupe nominal, verbe, complément. Le groupe nominal se divise au même adjectif et nos sujets, le sujet et pronom. Le verbe est comme il faut. Le complément, on le divise aussi à adverbe, à deux choses, à numéro 1, adverbe de lieu, adverbe de temps. Adverbe de lieu, on le divise aussi par préposition, article défini, non. Et adverbe de temps, on la préposition, on le divise aussi à trois choses. Comme ça, on dit préposition, nombre et non, adjectif et numéro. Par cette phrase, on doit répondre à plusieurs de phrases ou plusieurs de questions. On a assez suffit pour cette cours. Pour ce cours, on complète à la fois prochaine. Mes élèves, on dit au revoir, mes élèves, à bientôt.